Salut! Alors aujourd'hui, je vous emmène dans un coin que je trouve vraiment sympa. J'espère y faire de belles images avec vous et puis pouvoir les monter après en musique. Et puis j'en profiterai aussi pour vous parler un petit peu de la façon dont je voyage. Je pense que ça peut être intéressant qu'on partage ça ensemble. Voilà, c'est parti! Comme moi, tu aimes la vidéo, la nature, la vie en van et le partage, alors suis-moi. C'est très très simple hein, mes journées. En général, je cherche des beaux coins, je vadrouille un petit peu et puis j'essaye de ramener de belles images pour faire des montages et puis les partager avec vous après. Aussi simple que ça. Il n'y a pas de normes à mon avis, mais je pense que c'est essentiellement conditionné par ce qu'on cherche. Moi, en ce qui me concerne, il y a deux choses. La première, c'est la nature que je recherche.
parce que tout simplement je m'y sens bien. Et puis la deuxième, ce sont les rencontres. Alors ça conditionne effectivement la manière dont je vis cette band life, parce que pour faire ce que je recherche, en fait, il faut aller doucement pour pouvoir visiter les lieux, se les approprier, voir où sont les jolis coins, donc tout ça prend du temps. Et puis les rencontres aussi, si on veut provoquer un peu les rencontres, eh ben, il faut se donner du temps, donner du temps aussi aux autres pour qu'ils viennent vers vous. Le plus possible, c'est dans la nature, c'est-à-dire que je pose mon camion comme aujourd'hui dans un coin voilà, tranquille. En général, je repère les coins dans la journée. Et puis, bon, juste avant la nuit, je viens pour mettre mon camion parce que je ne veux pas qu'on me repère. Quand le matin arrive, je bouge. Si le coin est vraiment tranquille, bah, je peux rester plusieurs jours. Ça n'exclut pas, comme ça a été le cas récemment, je fasse par exemple du camping. Parce que, bon, il ne faut pas se mentir, hein, quand il fait pas beau, quand il faut... Bon, laver ses affaires, etc. C'est plus pratique d'aller dans un camping. Les principes, c'est bah, il faut qu'il fasse beau, donc je regarde beaucoup la météo. Si je vois que les prévisions sont mauvaises, je cherche un endroit où il fait beau. Ensuite, la localisation plus précise, je la fais bah, avec des cartes. Hein. Donc j'utilise Google Maps, j'utilise aussi mon système Garmin, un système GPS donc, qui me donne aussi pas mal de précisions sur les endroits. J'utilise aussi Google Earth. En fait, je vous montrerai peut-être de manière plus précise sur une autre vidéo comment on utilise Google Earth. C'est vraiment... une mine d'informations. Moi, je me fie beaucoup bon, à mon instinct, si on peut dire, parce que quand on ressent voilà, de bonnes vibrations dans un endroit, en général, on se trompe très très peu. D'ailleurs, j'en profite là, puisque bon, très récemment, vous savez que Maurice Genevoix, ses dépouilles ont été transférées au Panthéon. Quand j'étais ado, j'avais lu un roman-poème qui s'appelle « La forêt perdue ». Ça a vraiment un rapport avec la manière dont je vis la van life. Quand je fais ces petites vadrouilles, ces balades dans la nature, que je cherche à faire de belles images, et ben c'est l'enfant qui s'exprime. Et c'est vraiment le thème central d'une partie de l'œuvre de Maurice Genevoix. Je ne parle pas de ses livres sur la guerre de 14-18, mais tous ses autres livres sur le monde animal, sur la nature, sur les gens près de la nature. Le message, c'était ça, hein, c'est que finalement, en creux, notre éducation, notre culture a tendance à nous extraire un petit peu de cette part d'enfance. Et quand on doit faire des choix, comme ça a été mon cas au moment de ma retraite, bah, il faut savoir retrouver cette part d'enfance pour pouvoir se guider au mieux. On m'a dit « tu fais une crise d'adolescence bah, », je l'assume complètement. Oui, je suis retourné un peu en enfance, mais bon, je m'en porte très très bien et j'espère pouvoir continuer longtemps comme ça, profiter de la nature, du temps qui m'est donné. Pour, voilà, pour avoir ce bonheur. Et si je peux vous le faire partager, ben je le fais, quoi. Voilà. Tout simplement.